Rod, please don't do this to me. I love him. Pa para pa pa peri pa ta pa parure parere to pepe paribore pepe ro po po peru po pete pra pa 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 pripute pe pa pa pripute pe pa pa to pepe paribore pepe ro po po pepe pereru pa para pa pa peri pa ta pa pa. Tout d'abord, merci à ceux qui sont là d'être présents. Voilà, comme on a pu le dire, c'était pour nous un petit peu difficile de savoir qui allait venir, qui n'allait pas être là. Mais on est très content, en tout cas, de pouvoir vous exposer un petit peu le projet. Et donc, je vais commencer par la jeunesse du projet. Tout d'abord, juste très brièvement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc Geoffrey Nguyen et Pablo Mathias Becerra. Nous sommes tous les deux pianistes professionnels. Moi d'origine argentine, né en Belgique, et Geoffrey en Bretagne. Et voilà, on se connaît de longue date. Et donc maintenant pour la jeunesse du projet, ça a débuté par un petit peu un coup de hasard, un petit coup de chance, on va dire, une opportunité que je me suis dit que j'allais saisir. Et on va voir un petit peu l'aventure que ça va générer. Donc en fait, on a un pied à terre dans la famille depuis quelques années maintenant, ici dans le coin, où on organise voilà, différents événements artistiques à plus petite échelle, en termes de cours, de stages d'été, avec notamment un public qui vient de Belgique en fait, qu'on fait venir ici, qui découvre la région et qui apprécie chaque année ce qui s'y passe. Et cette année-ci, on avait décidé de démarcher un tout petit peu les mairies du coin, les différents lieux, en se disant qu'on voulait présenter un spectacle qui a tourné pendant 2 ans en Belgique et qui a très bien fonctionné. Et de là est venue cette rencontre avec le maire de Morins, monsieur Alain Olivier, qui nous a reçus vraiment de manière très enthousiaste et qui nous a expliqué qu'il y avait voilà, un petit changement dans le paysage culturel du lieu qui se faisait. Avec un grand festival qui n'aura pas, on va dire, son édition 2024, puisque la formule change, tout simplement, parce que voilà, pour les raisons propres à ce festival qui existait pendant 10 ans, qui s'appelle le Festival du Théâtre du Roi de Cœur, que sans doute vous avez déjà voilà, entendu. Et de là, on a réfléchi à quelle manière proposer quelque chose qui soit à la fois dans la continuation de ça, mais tout en étant différent, puisque le but n'est pas de venir faire concurrence ou on va dire remplacer quelque chose. Le but est d'apporter ce que nous-mêmes, on va dire quelque chose qui nous est propre du point de vue artistique. À savoir que personnellement, voilà, je suis plus musicien, eux c'était quelque chose de plus théâtral ce qu'ils faisaient. C'était une troupe de théâtre, c'est toujours une troupe de théâtre d'ailleurs. En partant de là, on a commencé à sonder autour de nous et très vite on a eu beaucoup d'enthousiasme qui nous est revenu de la part d'artistes, de proches, voilà, de personnes de confiance. Pardon. Hop. Et ça a conduit à l'élaboration, je vous passe tous les détails, d'un festival qui aura lieu donc du 7 au 11 août 2024. On a décidé de l'appeler les Astrales de l'été parce qu'on a voulu mettre en valeur la halle, qui est la nouvelle halle de Morins, qui est en fait une très belle structure qui dispose, et ça c'est nous en tant que musiciens, dès qu'on y a été, on a vu, elle a une très belle acoustique en fait, qu'on va utiliser et qu'on va vouloir mettre en valeur pendant ce festival. Astre, le petit jeu de mots avec les astres, parce que c'est aussi la période de l'année avec les nuits des étoiles, parce qu'on voulait évoquer ce côté de soirée en été par un beau temps qu'on espère avoir évidemment, où à la fois on peut profiter des astres
mais qui s'invite un petit peu aussi parce que ça évoque en termes d'inspiration pour des artistes comme nous dans cette halle et qui, on le pense, va voilà, vivre des moments un petit peu magiques dans cette atmosphère, dans cette ambiance qu'on va s'efforcer et qu'on s'efforce de créer en fait durant tout ce festival. Donc notre premier partenaire dans tout ça, c'est évidemment la mairie de Mauras. Donc tout à l'heure, je donnerai la parole à Martine, éventuellement, si Martine, si tu veux dire quelques mots. Ensuite, un petit mot sur les valeurs. Peut-être, je dis quelque chose là-dessus. Et à partir du moment où le festival a été, où ça s'est lancé vraiment, c'est là que j'ai cherché du soutien autour de moi. Qui s'est matérialisé en la personne de Geoffrey ici présent. Et alors ensemble, on a cette réflexion sur la place de l'art dans la société, la place de l'art dans notre quotidien en fait. L'art est souvent, dès qu'il y a une crise, on se dit « Ah bon, bah, la première chose qu'on supprime, c'est l'art. » Dès qu'il y a une difficulté, on va dire qu'on va rarement valoriser l'art à ce que nous, on estime être sa juste place, sa juste valeur, alors que l'art est omniprésent en fait. La musique est omniprésente, l'expression de soi est omniprésente et nécessaire au bien-être de la société en fait. L'expression de soi et aussi, on va dire, le fait de vivre des moments qui sont en fait finalement, qui créent du souvenir. Donc, je vais vous faire juste part d'une petite expérience personnelle, ensuite je passerai la parole à Geoffrey. J'ai souvenir d'avoir été, quand j'étais plus jeune, j'avais 14-15 ans, en Espagne, où j'allais chaque année passer l'été comme ça dans le village d'un ami. Et il y avait ces fêtes de village qui rassemblaient, on va dire, c'était un petit village, une aldea, comme on dit en espagnol, c'est vraiment un petit village qui a, à l'instar d'autres, malheureusement, d'autres villages ici présents dans l'entourage, dans le coin, c'est un village qui a perdu son école, c'est un village qui a perdu sa boulangerie, alors même que moi j'y étais, c'est-à-dire que j'y suis allé pendant 5 ans consécutifs, et au cours de ces 5 ans consécutifs, le village a perdu ces deux éléments qui sont quand même des piliers, on va dire, dans le fonctionnement de la société du village. Et durant l'hiver, la population chutait à presque 100 personnes. C'est autant dire que le village était mort-vivant, on va dire. En été, par contre, ça remontait. Ça remontait à 200-300. C'est pas beaucoup, mais c'était la famille, c'était les jeunes du coin, etc., etc. Et donc nous on était là, en tant que jeunes, on se retrouvait dans ce qu'en Espagne on appelle la peña, c'est-à-dire c'est l'endroit du lieu où que le village, que les anciens du village avaient bien voulu nous donner, une grange, quelque chose, un endroit, ou qui était notre QG, quoi, notre petit repère, où on allait se retrouver entre nous et on faisait des jeux, de la musique, on passait la soirée, on allait faire un feu un peu plus loin, on était là, on vivait et ça s'articulait comme ça. Et puis au fur et à mesure des années, j'en avais 14-15, j'ai 37 ans aujourd'hui, tous ces jeunes ont grandi. Tous ces jeunes ont grandi et avec eux, en fait, la mémoire de ces souvenirs percutante, profonde qui est restée de tous ces moments passés ensemble, tous ces jeux à la belle étoile pendant l'été font que, encore aujourd'hui, tous ces jeunes qui ont des familles là-bas ou qui ont vécu ça reviennent chaque année pour la fête du village, dès qu'ils peuvent, qui passent souvent l'été là-bas. Certains sont revenus s'installer dans leur coin avec leur famille. L'école a été transformée, il y a eu des rénovations, elle a été transformée en bar. Par la suite, des nouvelles activités, des nouvelles associations ont vu lieu, créées par tous ces jeunes-là qui avaient vécu ces souvenirs-là, qui ont été, on va dire, ces moments que moi j'ai partagés avec eux et qui sont très clairs dans ma mémoire. Certains ont repris les fermes, etc. Et en fait, ce lieu aujourd'hui revit. Inexplicablement aux yeux de certains,
très explicablement à mes yeux. Parce qu'en fait, tout ce qui a été créé pendant ces années, moi je l'ai vu grandir, j'ai vu ça rester chez les gens, et j'ai vu qu'en fait, tous ces jeunes qui sont aujourd'hui les adultes et ceux qui travaillent et qui font la force de cet endroit aujourd'hui, en fait, ont décidé de garder, de commémorer, de donner une importance dans le quotidien au niveau de ce village. Ça m'a fait écho, on va dire, quand j'ai vu ici, et notamment la commune de Morens qui s'est agglomérée avec Hérault, Cramps, etc. autour. Moi, j'y vois une similitude. Et je sais que par ce qu'on essaie de créer ici, parce qu'on va réaliser déjà ce mois d'août, ça va laisser des mémoires, ça va laisser des souvenirs qui sont de l'ordre du réel. On n'est pas dans le virtuel, on n'est pas dans l'informatique. On est dans le concret, on est dans le réel. Et c'est là aussi qu'on a décidé de faire intervenir et de le plus possible s'enraciner, se connecter, alors que à la base, on n'est pas du coin, mais on est amoureux de cet endroit-ci qu'on fréquentait d'ailleurs avant même d'avoir une maison dans la famille. Donc voilà, ce qui nous amène un petit peu vers les différentes valeurs du festival. Peut-être tu prends un peu la parole, si tu veux continuer. Je vais parler très succinctement. Donc moi, je m'occupe de la partie administrative du festival, et c'est quelque chose qui est assez nouveau pour moi. Et je voudrais te remercier d'abord de m'avoir inclus dans ce projet, parce que c'est un projet qui est formidable. Je ne me voyais pas porter ça tout seul. Oui, c'est ça. Donc on a mis beaucoup de cœur à l'ouvrage. Étant musicien, nous connaissons nous-mêmes qu'est-ce que c'est que d'être programmé, qu'est-ce que c'est que d'assumer les difficultés aussi parfois d'être rémunéré par exemple correctement. Ce sont des valeurs qui nous portent à cœur. On s'est rendu compte très vite que faire un festival, c'est compliqué, c'est très aléatoire, et au final, ça dépend d'une chaîne de gens bienveillants qui mettent du cœur à l'ouvrage et qui mettent vraiment de l'énergie dans le projet. Et donc, nos valeurs, c'est très simple. On veut faire travailler, comme tu l'as expliqué, on veut faire travailler la localité. Pour nous, c'est impensable de venir et de plaquer notre vision des choses sur des gens et sur un lieu. On a une vision, mais ce qu'on veut absolument faire, c'est synergiser avec les gens. C'est par exemple le soutien extrêmement précieux de la mairie, c'est le soutien qu'on aura probablement de bénévoles locaux, c'est le soutien de la brasserie par exemple. Qui est dans une démarche éthique et dans une démarche de conscience de l'écologie, par exemple. Tout ça, c'est des valeurs qui nous tiennent vraiment à cœur. Donc c'est ça que j'aimerais bien emphaser, c'est le fait que ce festival se fait parce qu'il y a une chaîne de gens bienveillants et qui ont envie que ça se passe, en fait. Ils ont envie de créer du lien. Et nous, en tant que musiciens, ça résonne fort avec nous parce que, justement, c'est notre travail. Notre travail en tant qu'interprète, c'est justement, c'est ce que tu as dit, c'est créer des souvenirs, créer des moments qui sont inoubliables et qui sont possibles seulement dans le réel. Si on écoute, comme je pense tout à l'heure, on va écouter très rapidement quelques extraits des gens qu'on a programmés. Tous les gens qu'on a programmés, c'est des gens... avec qui on pourrait travailler normalement, c'est des gens qu'on aime, quoi. On aime ce qu'ils font, on a choisi toujours des choses de qualité, on a que, c'est ça, c'est formidable, avec assez peu de moyens, on a que des gens de très très grande qualité. Et donc, voilà, c'est une co-création, c'est un lien de plein de gens qui travaillent ensemble pour que ces moments très très succincts, parce que quoi, tout le travail, ça sera concrétisé seulement sur quelques dates, ça prenne vie. Donc voilà, peut-être on peut continuer. Ouais. Oui, c'est ça. Il y avait l'aspect bien-être local, qui va avec tout ça. Quand on parle de mémoire, c'est aussi faire vivre le lieu,
être dans le bien-être. Et ça passe par quand même le lien social. Et aujourd'hui, très vite, les gens se referment sur eux-mêmes. Et donc, de là, une des valeurs importantes, c'était de proposer une programmation, en sachant que nous, en tant qu'organisateurs, on doit veiller à plusieurs choses. On doit être sûr de ne pas être dans un déficit économique, évidemment, si on veut que l'activité soit pérennisée dans le temps. Il fallait qu'on puisse répondre à une programmation qui est diversifiée. Et pour nous, c'est très important, voilà, d'avoir du lien entre les plus jeunes, les plus âgés, les familles avec des enfants. Et on va dire que tout le monde puisse s'y retrouver dans un moment qui sera sur place, dans une ambiance de festival. Alors, sans être trop long, parce que on va être assez long, mais on va vous présenter assez succinctement chaque spectacle qu'on va. La programmation, on va pas vous. Le site internet, voilà, on vous le communiquera. Il y aura un communiqué de presse qui sera un peu plus complet que les petits dépliants qui sont là, ça donne déjà une idée, mais qui ont été faits. On a mes consciences qui ont été faits très rapidement pour aujourd'hui. Mais donc la programmation, on va ouvrir le festival avec un groupe de tango qui est en fait mon groupe de tango. C'est ce que moi je peux apporter, on va dire, où je sais que voilà, je ne cours pas de risque. C'est un investissement personnel que j'apporte dans la région et dans le festival. On est des musiciens professionnels qui avons joué dans beaucoup de pays, évidemment principalement en Belgique, mais on a déjà joué évidemment en France, à Paris, à Caen, du Piazzolla, oui. À Caen, il y a pas très longtemps. On va jouer encore à Angers la saison prochaine. On a joué à l'étranger, on a joué en Estonie, en Azerbaïdjan. On est des musiciens chevronnés, passionnés du tango, et qui auront l'occasion de faire le concert d'ouverture qui se fera le mercredi 7 à 20h. Pour lequel on invitera aussi notamment différentes écoles de tango qui sont à Bergerac, à Quessac, il y en a une qui a une activité aussi importante, qui viendront, on va dire, aussi animer. Pardon, oui, tout à fait, c'est ça. Qui pourront participer et qui sûrement profiteront du moment. Donc on jouera deux fois. Certains spectacles sont dédoublés, d'autres pas. Celui-ci le sera. Alors je peux vous alors la connexion internet étant ce qu'elle est, on va dire que je vais avoir recours à des enregistrements précédents, on va dire. Donc ça c'est un enregistrement live. C'est juste pour un petit complément d'information parce que notre public ne sait pas, mais Zine Tango vient, c'est du bruxellois. C'est tout à fait ça. Qui est une langue tout à fait particulière, qui est un espèce de mélange entre le flamand et le français. Et Zine, ça veut dire l'étranger, le bâtard, le mélange. C'est ça. Et un Zineke, à Bruxelles, c'est un chien de rue. Et on va dire que bon, l'esprit résonnait avec l'esprit du tango à la base, qui a vu le jour dans les bordels à Buenos Aires. Même si après ça s'est exporté évidemment dans le monde entier, en commençant par le Japon, qui sont très friands de tango. Mais donc voilà, un bref petit extrait d'une prestation live. Non, ça c'est en Estonie. Mais ça c'est du Piazzolla, c'est vraiment évidemment le. Inévitable dans le monde du tango, même si on va brasser quand même assez large. Un peu différent, on aura un chanteur aussi, mais ce sera pas lui, c'est un autre qui sera avec nous à ce moment-là. Estoy mirando de frente pasar la vida furiosa, amurado sin un cobre, sin salvar de bandido.
los amigos ya no vienen, se florean con gambeta la vida, los minerales, se cerrojan los últimos cuatro mangos, traté de multiplicarlos, jugando en la liga para que el paso perdió, y en la carrera siguiente le aposté a Rubén Quintero, que maestra sobre el disco del todo de básico. Voilà, un petit extrait. Donc c'est un challenge pour nous, vous comprenez, d'amener, on va dire, une programmation de, on va dire, de cette envergure sous une halle. Et ça, bah écoutez, on vous invite ce jour-là à être présent pour voir ce que ça rendra. Mais on est assez optimiste et on se réjouit en tout cas. Donc je vous présenterai seulement un extrait vidéo du concert d'ouverture et de clôture parce que pour des raisons de timing et de logistique. On aura aussi un cabaret cirque qui se fera à deux reprises. D'ailleurs, il y a eu un petit changement qui doit être encore adapté sur le site ici. Plus à destination des familles, tout public. C'est une troupe qui travaille à l'opéra, notamment à l'opéra de Caen, l'opéra du Luxembourg, de Liège en Belgique. Voilà, c'est des acrobates vraiment chevronnés. Ils ont chacun un numéro, certains sont voltigeurs, équilibristes, font du machinois, c'est impressionnant. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot à dire que ça. On est dans du très, très haut niveau de cirque, qui vont aussi déployer une infrastructure au milieu de la halle et qui vont pouvoir faire le numéro. Et donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment une programmation qui serait à destination de tous, vraiment tout public. On a Narratorium, un duo d'improvisation théâtrale et musicale. Eux sont dans un spectacle interactif où ils créent leur histoire à partir du public. C'est-à-dire que elle est pianiste, musicienne, et va venir demander des inspirations musicales au public, qui vont donner soit des thèmes, soit des notes. Et là-dessus, elle va construire la musique qui va accompagner l'histoire. Et lui, qui est comédien hyper expressif et hilarant, qui va venir créer l'histoire que va alimenter le public. Et donc, c'est un public qui s'adapte. Si tout d'un coup, il y a des enfants et des très jeunes, l'histoire sera forcément en adéquation avec ce que ces personnes-là vont soumettre comme idée. Mais si maintenant, le public dit « je veux que ça parle de politique, et de politique, de guerre et de banane, pourquoi pas ?» Le résultat des élections. Par exemple, c'est... Alors, sans vouloir qu'il y ait de polémique, mais je leur fais confiance pour ça. Mais disons qu'ils pourront à ce moment-là s'adapter et faire vivre un moment vraiment, vraiment unique à chaque fois et différent à chaque fois, du coup, puisque c'est un spectacle d'improvisation, mais qui est rodé. Ils seront déjà tournés ailleurs dans la France pendant tout le mois de juillet. Et ils ont accepté de... Ils repartent en Belgique début août, ils ont accepté de revenir expressément pour nous parce qu'on avait un désistement d'une autre programmation. Donc je suis très content de les avoir. J'avais pensé les faire venir l'année prochaine, mais finalement ils seront là déjà cette année-ci. Ensuite, on a une artiste locale, Alix Joukowski, qui fera un spectacle. Ils sont deux en scène. Là, c'est à destination des enfants. C'est vraiment dans la créativité. Le spectacle sera suivi d'un atelier. Un atelier où les enfants pourront participer, mettre en pratique, on va dire, les idées qui auront été exposées pendant le spectacle. Le spectacle met en scène une fille, bon, c'est une grande personne, mais qui joue une petite fille qui va dans son grenier, qui s'ennuie, qui découvre plein d'objets et qui invente des histoires. Et il y a un ambiancement sonore et il y a énormément de créativité. C'est rafraîchissant, c'est parfait pour les familles et pour les petits-enfants. Elle est locale aussi. En bas âge. Et oui, elle est locale, on va dire, plus du côté de Sarlat. Mais c'est une artiste du Périgord. Alors, l'hommage à Brassens, il est encore incertain dans la programmation. Peut-être il sera fait par une autre personne, mais en tout cas, ça, c'est encore un tout petit peu... c'est les aléas de la programmation pour la première année. Mais on a Yves Usereau qui est un musicien très, très reconnu qui interprète cette musique vraiment à merveille, avec un petit peu d'humour. Il n'est pas tout seul sur scène non plus, ils sont trois. Et donc on a quelque chose de savoureux et de local finalement aussi.
On a Guy Cohen qui a une personnalité fascinante, quelqu'un d'origine juive ukrainienne qui aujourd'hui a 80 ans mais qui a un charisme incroyable et qui en fait raconte des histoires. C'est un conteur, c'est un diseur, il raconte des histoires, il lit des textes, ça peut être comme c'est dit, donc ça peut être il a beaucoup fait du Gogol, Nicolas Gogol, le journal d'info, il a fait des petites nouvelles de Tchekhov, il a fait aussi des blagues à lui, des petites histoires coquines, c'est assez coquin d'ailleurs dans son ensemble, c'est plus à destination des grandes personnes. Et c'est un moment incroyable aussi. Enfin, on a Océane, Océ de son nom de scène. Elle, c'est un petit coup de cœur de nous, de la programmation. On voulait aussi donner quelque chose aux plus jeunes, à la tranche 15-25 à peu près. Donc Océane a 22 ans. Elle est pour nous clairement une des voix de demain. On l'a découvert sur Internet. Elle a gagné l'équivalent d'une sorte de voice, mais présent sur les réseaux sociaux, sur Internet. On a été la démarcher en lui expliquant le programme, le projet, et elle est ravie de venir nous partager ce qu'elle fait. Elle a une, je vais vous faire écouter un petit extrait. Elle a une voix magnifique. Elle écrit ses propres compositions. Elle a un background de pianiste classique, c'est ça aussi qui nous a séduit en tant que nous-mêmes musiciens de formation classique. Elle étudie au Dalida Institute, qui est un institut important en France pour tout ce qui est de la variété de la pop et des voix en France. Comme c'est dit dans la description, elle s'inspire de l'univers des jeux vidéo, qui est quelque chose qui est omniprésent chez les jeunes d'aujourd'hui. Et en même temps dans les racines des musiques comme Brel, comme Piaf, qu'elle chante de manière bouleversante. Et donc pour faire ses propres compositions, il y aura aussi des reprises. Et donc ce sera une très belle clôture de festival. Je vais essayer de vous montrer différents petits extraits sans faire trop long. Encore une fois, j'ai pas accès aux vidéos qui sont sur YouTube à cause de l'internet. Quelle allure, quelle stature, un vrai modèle de droiture, une force de la nature, ou bien es-tu qu'une raclure, un animal de luxure qui court à l'aventure, y a-t-il un cœur sous ton armure? Le mien est pur comme l'azur, laisse-moi penser tes blessures. Extrait, on a par exemple ici dans une reprise évidemment. Ne me quitte pas, il faut t'oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu. Savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai. Il faudra. Eh oui, c'est il faut. Voilà. C'est un extrait. C'est ce qu'on appelle un extrait. En tout cas, on est ravis de la voir tant qu'elle est à notre portée et dans le budget, évidemment, parce que c'est quelqu'un qui monte en puissance dans sa carrière en ce moment et voilà, c'est une chance de la voir pour cette édition. On approche de la fin de la présentation. Avant de passer la parole à Martine. Encore un petit mot sur cette édition 2024.
le modèle économique, on a dû, étant donné qu'un festival ne bénéficie pas en France des subventions de l'État, des subventions officielles, lors de sa première année, c'était tout un challenge pour nous. On a eu une démarche voilà, où on cherchait des sponsorings, ça n'a pas trop abouti parce que les gens ne nous connaissent pas, on n'a pas de référence à donner en termes d'années précédentes non plus, ce qui rend les choses compliquées. Mais on a pu voilà, avoir différents arrangements avec tous ces artistes pour que ceux-ci soient d'accord de prendre un petit peu le risque aussi et de participer au résultat, c'est ce qu'on appelle dans le métier, c'est-à-dire que la billetterie va dans l'ensemble payer les artistes. La billetterie paiera les artistes. Les recettes de la buvette et des différents dons nous permettront à nous de faire fonctionner la promotion du festival, nous rembourser dans tous les frais qu'on a qui sont occasionnés par le fait de l'organiser. C'est quand même un petit peu conséquent malgré tout, même si on a beaucoup de soutien en nature aussi évidemment, notamment de la part de la mairie. On aura en termes d'ambiance sur place des petites animations pour les enfants, on aura des food trucks deux par jour qui seront là. Il y aura différentes voilà donc différentes propositions pour les personnes pour venir se restaurer. Nous, notre but, c'est pas que les gens viennent à un spectacle et puis repartent tout de suite, c'est qu'ils restent un petit peu, qu'ils profitent de l'ambiance, qu'ils prennent un verre à la buvette, qu'ils visitent un petit peu le coin. On envisage aussi de partager par exemple les listes par exemple des chambres d'hôtes, des logements du coin, d'essayer de trouver des arrangements par rapport à un événement pour que cet événement, voilà, on va dire que tout le monde y trouve son compte et que ce soit une co-création entre nous et les habitants du lieu. Ouais. Alors, programme c'est fait. Alors, pour les éditions futures, on a évidemment trois envies. La toute première, c'est pouvoir s'enraciner définitivement, dans le sens faire perdurer l'événement, présenter une édition 2025 qui sera encore plus belle, encore plus attrayante et encore plus accueillante pour tous. Pour cela, on espère aussi évidemment avoir accès aux subventions l'année prochaine, et ça dépendra du succès de cette année-ci. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Les autorités par rapport à cet aspect-là sont évidemment déjà au courant. On a eu des échanges avec les autorités là il y a plusieurs mois déjà, qui nous expliquaient qu'elles ne pouvaient pas nous aider du fait que pour cette année, du fait que ça se faisait en période estivale et que donc ça appartient à des enveloppes différentes. Mais pour l'année prochaine, en leur présentant les résultats et en leur montrant aussi les articles de presse, en expliquant, on va dire, les atouts que ça peut apporter à la région, etc., on pourrait débloquer une enveloppe qui pour nous serait synonyme de « on peut y aller, on continue comme ça, sans devoir nous se mettre à risque ». Et augmenter en qualité, par exemple. Évidemment, c'est ça. Ce qu'on aimerait beaucoup l'année prochaine, si le festival arrive à perdurer, c'est faire venir un piano de concert, par exemple. C'est ça, à ce moment-là, on aura un vrai piano à queue, là où cette fois-ci, on aura quelque chose qui fera, on va dire, qui fonctionnera très bien, mais qui sera plus modeste comme malgré tout. Et donc, invité par le fait des amis pianistes concertistes ou chanteurs, on a la compagne de Pablo, par exemple, qui est une cantatrice belge formidable, enfin, vraiment très très grande qualité. Donc c'est des choses qu'on aimerait aussi apporter. On a, ouais, c'est ça, on a beaucoup de contacts pour la suite, en fait. On a beaucoup de contacts dans le milieu de la musique et du spectacle, en France comme en Belgique, qui vont, voilà, malgré tout, il faut leur proposer un cachet. On peut pas dire aux artistes venez comme des troubadours. C'est pas si simple, on va dire, de manière générale. Pour cette année-ci, on a trouvé un arrangement. On a fait des gens qui nous font confiance. Mais donc ça, c'est notre envie. Ça dépendra éventuellement des subventions. Donc la pérennisation, les subventions et le développement, comme on a dit, pour faire grandir un petit peu l'événement, le faire rayonner un peu plus loin. C'est-à-dire qu'on a en contact
des personnes qui organisent des festivals dans la région, au Poitou, autour. Et à ce moment-là, notre festival pourrait rejoindre une de ces agglomérations, conglomérations de festivals qui partagent, on va dire, leur communication, partagent éventuellement certaines subventions. Et à ce moment-là, on rentrerait dans un paysage, on va dire, professionnel, plus établi, qui évolue un cran au-dessus, on va dire, de juste une petite localité. Et donc ça, c'est aussi intéressant. Ça, c'est pour les éditions futures. Et en toute fin, avant de remercier et de passer la parole à Martine, comment est-ce que vous, ici présent, pouvez nous aider? Évidemment, pour cette année-ci, c'est primordial la diffusion de l'événement. Nous allons investir dans la publicité en termes d'affichage, en termes de... Voilà, on a déjà contacté différents organismes. Certaines personnes n'ont pas pu être là présents aujourd'hui, mais nous ont déjà apporté leur soutien. Par exemple, s'il s'agit d'une presse audiovisuelle, nous, on offre des places en échange d'une promotion, des places gratuites pour certains concerts, certains événements. On peut offrir des places VIP. On a toute une organisation qui va se construire à partir de maintenant pour la promotion. Donc la diffusion de l'événement, c'est le plus important. La confiance, c'est quelque chose qui, comme on l'a dit, qui est le point de départ de ce qu'on fait et qui va être la suite de ce qu'on va faire aussi. Donc c'est toujours important. On accepte toujours différents partenariats. On a eu un rendez-vous ce matin, on en a encore un autre demain après-midi pour éventuellement encore dégoter certaines personnes qui seraient d'accord de participer en espèce ou en nature à la bonne réussite de l'événement. Il y aura un appel aux dons qui sera fait. On passe par la billetterie de Hello Asso qui propose, on va dire, à ceux qui le souhaiteraient de participer un peu plus que juste le prix des places pour apporter leur soutien au festival. Et donc après, de manière privée, entre nous, par mail, par téléphone, etc., si vous avez des contacts, des personnes, vous estimez, tiens, est-ce que vous avez joint ces personnes-là, est-ce que vous avez fait la démarche, il y a sûrement des contacts, on va dire, pertinents qui sont passés sous notre radar. Et donc si vous pouvez nous les partager, ce serait avec grand plaisir. Je me rends compte que j'ai oublié un petit mot quand même au sujet des prix de l'accès au festival. L'accès au site est libre, tout le monde pourra venir prendre un verre, prendre un petit bout au food truck libanais ou au tapas ou aux pizzas du coin, ça y a aucun souci. Évidemment, il faudra jouer le jeu pour faire vivre le festival et les artistes, payer une place, mais notre volonté était quand même de miser sur l'accessibilité. Et donc le prix des places aussi entre 7 euros et 10 euros pour garder quelque chose d'accessible et tout en gardant une qualité qui pour nous est essentielle au niveau où on évolue à la base sur scène durant l'année, que ce soit en soliste, en chambriste. Je suis aussi chef de chœur, je dirige une chorale, pour nous la qualité est essentielle. Et donc tous les artistes que vous verrez sont des professionnels qui tiennent la scène, et ça, c'est extrêmement important pour nous de le souligner, quoi. On est dans quelque chose de professionnel, et par là on attend aussi que du coup le public comprenne qu'il doit payer une place dans ce cas-ci, même si on s'arrange pour qu'elle dépasse pas la barrière des 10 euros. C'était un défi pour nous, mais ça va être le cas, et on est ravis de ça. Une dernière collaboration que j'ai oublié de souligner pour le futur, c'est avec le Conservatoire de Dordogne. On a eu des échanges très positifs avec la directrice, qui encore une fois malheureusement ne peut pas être présente maintenant. Et dans tous les cas, ça la concerne plus pour l'année suivante, mais on lui a offert une collaboration, c'est-à-dire que nous, en tant qu'aussi que musiciens qui avons fait déjà un certain parcours de carrière, notamment dans le domaine classique, on sait que c'est difficile, on sait que s'insérer dans le monde professionnel n'est pas facile, acquérir du métier n'est pas facile parce qu'on nous demande de l'expérience alors même qu'on doit l'acquérir, et donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et donc dans cette optique là on voulait, à partir de l'année prochaine aussi, consacrer un concert du festival chaque année,
qui sera dédié aux grands élèves, aux meilleurs élèves du conservatoire Issa Bergerac, qui a une antenne, enfin qui a plusieurs antennes dans tout le secteur. Et donc elle est évidemment très enthousiaste à l'idée de cette collaboration, voilà, pour mettre en évidence et pour donner du métier et rayonner dans certaines sphères plus du monde de la musique classique, mais aussi d'une musique un peu plus accessible, comme par exemple Océane qu'on a entendu là, et aussi voilà, dans un répertoire, une programmation, on va dire, où chacun va trouver son compte à un moment donné, et donc et qui pourra du coup lier un petit peu tout le monde. Voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour. Martine, est-ce que tu veux... Bon, c'est peut-être plus facile, mais comme ça... Pour le son, ça serait mieux. Voilà. Bon, ben, je me présente, il y en a qui me connaissent, d'autres pas. Je suis Martine Boger, je suis adjointe à la mairie d'Aérocrems-Morins. Alors moi, je suis au conseil municipal depuis 2008, donc j'ai fait un mandat de conseillère et là, je suis sur mon deuxième mandat d'adjointe au maire. Voilà, et je suis morinsoise, pure morinsoise, parce que je suis née à Morins et j'en suis jamais partie. Voilà, donc j'aime ma commune depuis 57 ans. Voilà. Donc moi, voilà. Alors pour la petite histoire, donc ce sont les beaux-parents de Pablo qu'on a rencontrés. Alors je sais plus, c'était en fin d'année, je crois, dernière. Hein. Voilà. Qui sont venus un samedi matin à la mairie de Morins nous présenter un petit peu le projet, enfin pas ce projet-là hein, du tout, parce qu'à la base c'était pas ça du tout. Ils nous ont montré une petite vidéo avec, c'était la petite caravane, c'est ça, c'est voilà. Ça. Donc c'était un petit truc, à la base c'était... C'était juste un projet d'un spectacle. D'un spectacle, voilà. Donc, alors effectivement, nous on sort de 10 ans de Festival du Roi de Cœur. Donc 10 ans où l'été c'était magique, et donc effectivement là de cette année, eh ben on n'avait plus d'animation, mis à part les petites animations, les fêtes de village, les cils et là, mais on avait quand même ce gros trou sur l'été et ça nous embêtait bien, donc voilà, donc c'était l'opportunité. Donc on a dit avec monsieur le maire Alain Olivier, eh ben on a dit d'accord, voilà. Et de fil en aiguille, Pablo est venu, on s'est rencontrés, et puis au fur et à mesure qu'on se voyait, eh ben, ça grossissait, voilà, et on arrive à ça, de la petite caravane sur un spectacle, on arrive à 5 jours de spectacle. Donc pour nous, c'est magique, parce que pour nous, c'est ce que je vais résumer, ce que vous avez dit, les valeurs au niveau d'un village, c'est ça, c'est bien sûr, c'est la boulangerie, on n'en a plus, nous, depuis 2 ans. Mais c'est ça, c'est l'animation du village, l'école, bon nous on a une école, c'est l'animation du village par tout ça, les fêtes de village, les animations culturelles, tout ce qu'on peut avoir, voilà, c'est ça qui apporte aussi toute cette féerie dans nos petites communes et qui permet aux gens de se voir, de partager un verre, de partager un moment, voilà. Donc c'est pour ça que nous on est très content de vous accueillir, voilà. Et donc, on va faire comme pour le Roi de Cœur, c'est-à-dire que nous, on va s'investir à fond dans ce projet, dans ce voilà. Donc nous, au niveau de toute la logistique, voilà. Bien sûr, c'est un petit peu pour nous, c'est un gros point quand même, parce que voilà, ça nous demande. Mais bon, on est là pour ça et on va tout faire pour que ça perdure. Et moi, je signe pour 10 ans, hein, et même plus. Voilà. Donc, alors, au niveau des bénévoles, hein, moi, j'ai essayé, donc j'ai quand même, ça y est, j'ai une petite liste. Donc, on en parlera demain. Ouais, ouais. Voilà. Donc, voilà. Et puis, donc, au niveau de la communication aussi, on va tout faire pour que ça marche. Mais c'est un petit peu le bouche à oreille aussi, hein, parce ouais. que moi, je vois, j'en parle et tac, tac, ça diffuse. Et puis, les gens disent, ah, ben tiens, voilà. Et donc, je pense que ça va le faire, voilà. Mais on est très contents et franchement, voilà. Et moi, je pense qu'on va se référer au nom du festival, les Astrales de l'été.
Et moi, j'espère qu'on va avoir plein d'étoiles dans les yeux pendant 5 jours. Il y en aura dans le ciel, mais j'espère c'est qu'on en aura plein dans les yeux et que tout le monde passe un bon moment et que vous puissiez aussi vous épanouir dans ce projet-là, hein, parce que c'est pareil, hein, pour vous, c'est quelque chose de... Mais une fois que l'organisation, nouveau, le lourd de l'organisation sera passé, ouais, au moment du festival à proprement parler, on sera oui, heureux. Je pense. Je pense. Voilà. Disons que c'est en amont que c'est un peu difficile, oui, mais on sait ce que ça fait. Voilà. On a déjà organisé des choses de moindre ampleur dans le temps, hein, mais on n'est pas... Voilà. On savait à quoi s'attendre aussi. Voilà, et puis on en tirera les conclusions pour que l'année prochaine, voilà, ça soit encore mieux. Et que, voilà. C'est ça, tout à fait. Et un message que j'ai peut-être pas dit clairement, mais pour nous, c'est pas nécessaire d'aller, je sais pas, à Salle Cortot à Paris pour entendre des musiciens de bonne qualité. C'est pas nécessaire d'aller au Zénith de je ne sais où pour recevoir chez soi des artistes de très haut niveau. Tout à fait. Et donc ça, c'est quand même aussi un message important tout à fait. Dans les valeurs de ce qu'on essaie de promouvoir. Tout à fait. Puis, sans, je rajoute un petit truc. Moi, il y a quelque chose qui me touche particulièrement, c'est le terroir. On est en France, on est en train de perdre nos produits locaux, pareil, les villages, de plus en plus, ça devient de plus en plus désertique. Donc il faut remettre de la vie dans la localité. Partout en fait, simplement. c'est vrai qu'on a, bon, il y a certains sponsors qu'on n'a pas été démarchés en conscience, voilà, parce que on voulait rester dans cette ambiance là. Tout à fait. Alors nous, c'est ça, donc perdre un peu tout ça, mais nous, c'est ce qu'on essaye de faire sur la commune, justement, c'est de pas perdre toutes ces valeurs, toutes ces choses-là. Nous, on a marché le vendredi soir. D'ailleurs, il va falloir cohabiter avec le marché le vendredi soir. Donc, je pense qu'il va y avoir du monde et ça peut être bénéfique pour vous et pour le marché aussi, puisque tout le monde va être au même endroit sur la soirée. Et donc, voilà. Et donc, c'est par là qu'on arrive à grandir. Maintenant, c'est toute cette vie culturelle, toutes ces animations qu'on peut avoir tout au long de l'année sur la commune. Et nous, on est preneurs de tout parce qu'on adore ça en plus. Donc, voilà. Mais c'est du boulot aussi, hein, je vous dis. Merci. Voilà. Voilà. Bon, et moi, je voulais vous remercier. Donc, merci pour nous apporter tout ça et continuer à animer notre belle commune. Voilà. Ben, merci beaucoup. Merci. On voulait remercier aussi à différentes personnes. Après la mairie et la brasserie de la Libellule, la mairie, la brasserie de la Libellule. On voulait aussi remercier évidemment la famille, la présence de Michael ici présent, qui est comme notre premier sponsor aussi, puisqu'il va nous aider notamment à loger certains artistes, etc., et qui nous soutient beaucoup. Marcel Pierre pour toute sa collaboration d'expertise. Et son encourage et expertise dans l'organisation de l'événement, la planification et un peu de soutien local. Rod, please don't do this to me. I love him.